Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Il y a un petit soleil aujourd'hui, mais je pense pas qu'il fasse si beau que ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ça va être un Come Shopping With Me. C'est la fin des soldes et donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu ce qu'il y avait dans les magasins et puis moi aussi voir si je peux choper des bonnes affaires. Je vais vite vous montrer ma tenue du jour et c'est parti. Alors, aujourd'hui je porte un jean taille haute que j'ai acheté chez Zara en taille 40 en solde. Je vous avais montré sur Instagram, c'est pour ça que c'est important de me suivre pour ceux qui ont Instagram. Ensuite je porte une veste un peu velours que j'ai acheté en friperie à Paris. Et la friperie c'est la chaîne Guérisol. Mon sac Michael Kors, il est trop beau. Mais là on voit pas à cause du soleil, ah là vous voyez mieux. Mon sac Michael Kors avec des petits clous comme ça que j'ai acheté en outlet à la Valley Village. Et mon crop top Pretty Little Thing, ça fait genre 2 ans que je l'ai. Donc voilà, et mes docks bien sûr parce que je les quitte plus. En fait à chaque fois il y a mon tapis de sport. Parce que d'ailleurs faudrait pas que je marche dessus avec mes chaussures, je suis une folle. Parce que vu que je fais mon sport tous les matins, ça sert à rien pour moi de l'enlever et tout ça. Quand il y a Chris je l'enlève, mais quand je suis toute seule ça sert à rien. Donc je vais y aller. A plus. Bon guys, je suis arrivée au centre commercial Euralil. Laissez tomber, j'ai rien avalé depuis ce matin, là il est 16h passé. Mais j'avais pas faim donc je vais me forcer à manger. Mais le truc c'est que j'ai bu pas mal de thé. Et le thé vert moi ça me fait mais pisser mais comme pas permis. Donc du coup quand je suis arrivée au centre commercial j'ai eu envie de faire pipi. Je suis allée à la brioche dorée. Et je vais m'acheter un thé pour pouvoir faire pipi. Enfin c'est un cercle vicieux, du coup là dans une heure j'aurai envie de faire pipi. Du coup je dois repayer quelque chose. Bref, du coup là je me dirige directement chez Zara. Quand j'arrive au centre commercial c'est ce que je fais. J'espère que vous pouvez m'entendre. Et en premier je vais chez Zara. Donc on va aller voir ce qu'il y a. Alors là ils vous ont mis toutes les soldes d'un côté. Enfin là il n'y en a plus. Au début il y en avait plein ici. Non. Enfin, oh c'est flou. Guys. Donc je vais aller voir, je vais faire du repérage et dès que je trouve un truc beau, bah je vous dis. Regardez le short que j'ai trouvé, je l'ai pris en taille 40. Bon là vous n'arrivez pas à voir, ça ne veut pas faire le focus. Et genre c'est à partir de 9,99 et lui il est à 9,99. Et j'ai trouvé deux autres trucs. Là là des robes, mais je ne peux pas bien vous montrer parce que j'ai le thé. Donc c'est un peu compliqué. Et là je vais faire ce rayon là. J'ai déjà fait le rayon des robes, là je vais voir au niveau des shorts et des jupes. Et voir si je peux trouver un petit top. En tout cas, c'est des trucs, tu vois, ça va toujours te servir. Ouh. C'est une galère ce thé. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que moi, quand je fais mes soldes, j'essaie de trouver des trucs que je vais pouvoir mettre longtemps. Pas que sur le coup, parce que c'est pas cher et tout ça. Et tu fais des économies, tu trouves des belles pièces. Donc je vais continuer mon petit repérage. À toutes. Donc là il y a toutes les chaussures. Et en fait la dernière fois j'avais craqué sur celle-ci. Chris les déteste. Mais elle passe à 17,99 au lieu de 49,99. Mais je pense que je vais les prendre. De toute façon c'est pas lui qui les porte hein. Donc voilà. Bon dans tout ce que j'ai pris là, il n'y a rien qui m'allait. Soit la coupe elle m'allait pas, soit je rentrais pas dedans. Ça le truc était déchiré donc laissez tomber. Mais ça j'aime bien. Mais le truc c'est que vous voyez là comment ça baille. En fait je cache parce que bon c'est assez décolleté. Mais bon on s'en fout, là j'ai mis mon top pour pas l'enlever complètement. Et en fait j'aime bien mais tu vois ici là, je sais pas, je me dis pour l'été ça peut être bien. D'ailleurs là vous pouvez pas voir je crois. Je sais pas vous montrer derrière. Je sais pas comment vous montrer derrière mais en gros c'est comme ça. J'aime bien mais c'est ça là qui me dérange. C'est juste ça qui me dérange, ça va pas avec ma morphologie je crois. Ça marque pas bien ma taille, du coup bah je vais pas le prendre. Mais sinon c'est une bonne qualité, en plus c'est une bonne affaire. C'était à 40€ de base et je crois qu'il passe à 12€. Mais je sais pas si je vais la mettre en fait. Parce que... Ouais non. Du coup bah y a rien qui me va, y a rien qui me va. Zara. Bon écoutez, je me suis rhabillée. J'ai encore monté... franchement elle est super belle, elle est de bonne qualité. Je viens de voir qu'elle était à 69,95 avant. Et il y avait un truc en dessous. Mais franchement ça me va pas, ça sert à rien de prendre. Je me suis posé la question et tout mais pff, ça sert à rien. En tout cas si vous ça va avec votre morphologie les filles, bah foncez hein. Elle est canon. Dommage ça va pas avec ma morphologie. Bon, là on
on va se rendre chez Sephora, qui est juste là, parce que j'ai reçu un mail. Et j'ai des bonnes réductions sur plein de palettes et tout. Pas que des trucs de merde, hein. Donc je vais vous montrer un peu. Moi j'ai pas besoin de nouvelles palettes, mais je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Et là il y a des petits trucs avec plein de produits. Et je regarde en dessous et regardez ce que j'ai trouvé. Le truc Fenty. Et là il passe à 7,50. C'est trop mignon, je pense que je vais le prendre. Je n'ai pas besoin mais bon. Donc là t'as plein de trucs mais là il n'y a rien dedans. Mais je l'ai cette palette, elle est trop mignonne. Bah écoutez les gars, j'aime voir qu'en fait, parce que je me dis c'est bizarre, il n'y a pas écrit les moins 20 et tout. En fait, je viens de voir que c'était seulement en ligne et sur l'application. Alors, c'est à dire que là, j'aurais pu avoir moins 20 en plus sur les soldes. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le redéposer et que je vais commander en ligne et le faire livrer soit chez moi, soit en magasin. Donc, au moins, je vous aurai montré. Et je sais pas quand est-ce que vous allez voir le vlog. J'essaie de me dépêcher comme ça. Et ben, vous pourriez profiter des offres. Donc, là, je vais aller tranquillement chez Primark. Là je suis sûre que je vais forcément trouver au moins un truc NYX. En fait il n'y a rien de truc soldé que j'aime bien. En fait en termes de maquillage, quand c'est pas des soldes de fou, en vrai j'achète rien. Parce que j'en ai tellement que franchement ce serait gaspillé. Mais je vais aller chez Primark. Cette boutique là, 5 saisons, je sais pas si vous avez dans vos villes, dites moi en commentaire. Mais des fois je trouve des trucs super bien là-bas. Ah ouais. Mais j'y vais pas trop souvent parce que c'est un peu cher je trouve pour des... En fait c'est un peu comme les boutiques chinoises là, sauf que c'est pas des tenues par des Asiates quoi. C'est tout. Bon allez, Primark. Primark. Regardez ce que j'ai trouvé et je trouve qu'il est trop beau. En fait j'ai jamais eu un jean comme ça qui m'allait bien. Là j'ai pris du 44 pour voir si ça va m'aller. Parce qu'à chaque fois je suis obligée de sursizer pour les trucs et la coupe elle me va jamais, donc je vais essayer. Donc ça c'était à l'entrée de mon Primark. Donc après ils t'ont mis plein de trucs de sport et tout. Et là il y a des nouveaux articles. En fait ils sont déjà au printemps Primark. Et ça fait 3 minutes que je suis là, j'ai déjà 10 000 trucs. Ils ont remis les biker shorts, ils sont à 3€. Je vous conseille de prendre une taille en dessous les gars. Il y a plusieurs couleurs et il y a du noir juste là. Donc voilà, moi j'ai repris un noir et un gris. Toutes les chemises là, elles sont super bien. J'en ai déjà acheté plusieurs. Elles passent à 5€. Ouais, il y a plusieurs modèles. C'est stylé, hein, même là il y a plein de trucs qui sont soldés. Bah, après moi j'ai pas vraiment besoin de chemises, j'en ai plein et je les mets jamais. Mais au moins je vous montre, ça j'aime trop. Je trouve ça trop stylé. Mais moi ça va pas parce que j'ai des gros seins. Du coup ben ça me va jamais les trucs comme ça. Et si c'est une plus petite poitrine, ben franchement c'est trop beau. Regardez ça, c'est trop stylé. Mais c'est caché malheureusement. Mais regardez, hop. C'est trop beau comme body. Et ça c'est 10€. Vous savez il y a un peu une forme au niveau des seins. Je pense que je vais en prendre un. Avec un jean taille haute ça peut être canon. Plein de trucs un peu comme ça. Bon moi j'aime pas trop mais il y a des chapeaux des sorciers. Voilà, après ça c'est des trucs basiques. J'essaie de vous montrer des trucs un peu stylés tu vois. Là les trucs basiques. Leurs trucs comme ça là... Oh la couleur elle ressort pas bien. C'est vraiment marron chocolat. Ils sont trop stylés, ils sont à 24€. Mais j'ai tellement de vestes que je me dis Audrey arrête, tu vas pas acheter ça, tu vas pas le mettre. Mais c'est trop stylé. Et même là regardez, là c'est avec une ceinture. Vous savez, un peu trench. Et ça c'est 25€ ceux-là. Regardez, ils font des robes comme ça. Et avec une ceinture, je trouve ça trop trop beau. Elle existe en camel. Et en noir. Et je crois que c'est du en blanc aussi. Elle est trop belle. Ça c'est trop 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 stylé. Vous savez, ils font les pulls un peu... Même Zara ils en ont des comme ça. Sauf que là ils sont à 16€ et ils sont super épais. Bon après là t'as une jupe mais bon moi je trouve ça pas très beau de mettre ça ensemble. Mais ça tout seul je trouve ça trop trop beau. S'il est grave épais. J'aime trop. Regardez. Elles sont passées à 3€ au lieu de 8. Elles sont super belles les écharpes. Mais le problème c'est que j'aime pas la matière. J'ai l'impression que ça accroche partout. Mais sinon elles sont canon.
Voilà ce que je vais essayer parce que les biker shorts et tout, je connais déjà le crop top, le body, je pense que ça va aller. Donc j'ai trouvé ça, un petit gilet comme ça, un petit cardigan. Il est à 16 euros, mais j'ai croisé une fille que je connais qui travaille ici, elle m'a dit qu'il est à moi, j'ai pris normalement. Donc je verrai en caisse et j'ai pris deux vintage mom, j'espère que ça va m'aller. Bon, j'ai commencé par essayer ça parce que c'était plus simple. Donc il y a une petite capuche derrière, je pense que vous pouvez la voir. Et j'ai pris en taille M, mais en fait je me demande si je veux sursizer ou si je suis bien comme ça parce que je l'aime bien. Je sais pas, mais en tout cas il est trop doux. Je pense que même s'il passe pas à moins 50, je crois que je vais quand même le prendre. Il est trop trop beau et je mets jamais des trucs comme ça. Donc on adore. Donc la matière elle est comme ça et il est super doux. Bah écoutez, l'autre 44 qui est juste là ne m'allait pas. Et lui, il me va. Franchement, je suis pas serrée et tout. Il y a même, hop, de la place. Mais maintenant, faut voir si je trouve que ça me va bien, je sais pas. Je sais pas les gars. De toute façon, au pire, je le prends et puis vous me direz. Mais ça me change. Peut-être avec des talons, ça passera mieux. Je sais pas. Ici, c'est pas un peu bizarre? Non. Mais je trouve que ça me change. Je sais pas. Ça me change. Et franchement, ça m'aplatit pas les fesses du tout. Donc, je pense que je vais le prendre. Rien que pour le fait que ça me change. Peut-être qu'avec un body. Là, je tiens derrière pour que ça marque un peu la taille. Peut-être qu'avec un body et tout, ça peut le faire, non? Je sais pas. Franchement, je suis perplexe. Regardez. Ils ont soldé plein de petits serre-têtes, 50 cents, mais pas celui que je veux, il est pas soldé, il passe à 10 euros. Trop deck. Regardez, au niveau du make-up, ils ont sorti plein de nouvelles palettes de make-up et tout, et on dirait trop le Better Than Sex. Ça me fait trop rire le packaging. Je pense que je vais le prendre juste pour tester, pour voir ce que ça donne. Après là c'est des petits pinceaux et tout ça. Bon, ça j'ai pas besoin, mais j'aimerais bien tester ça. Des petits crop top comme ça. Bon, des pulls assez courts plutôt. Et lui je le trouve canon. Je le trouve trop beau ce pull là. Hop. Il est à 12 euros. Ça aussi. Il y a ces chaussures là que Chris il déteste, mais elles sont passées à 10 euros. Je voulais les acheter avant. Mais j'avoue que, en fait, le problème avec moi, c'est que j'achète des chaussures et je les porte pas. En tout cas, les filles, si ça vous intéresse, il y a plein de paires, plein de pointures. Bon, le sang, il est 20h48, je suis rentrée à la maison, il était 19h50, 20h. J'ai enfin mangé parce que je me suis habillée. C'est juste que j'ai mis mon truc que j'ai acheté chez Primark et un bandeau comme ça. Ma batterie est déchargée, je vais me dépêcher de parler. Ce que j'ai acheté du coup chez Primark, j'ai pris le mom fit là, le jean mom. Franchement, c'est la première fois qu'il y en a un qui me va bien entre guillemets. J'ai pris une taille 44 par contre, hein, les gars, donc ouais. Mais vu que je suis en train de maigrir, je me dis que même si ça devient trop grand, parce que là c'est un peu grand, de toute façon vous aurez vu dans les rushs, ça peut quand même le faire. Pendant encore un mois, je pense que pendant encore un mois je pourrais porter correctement. Parce que moi je perds vite du poids, ça c'est ma chance. Mais je prends aussi très vite. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander, ouais, montre-nous tes repas et tout ça. Donc je pense que je vous ferai à l'avenir. Je vous montrerai un peu de temps en temps. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, je vous montre. Je vais finir à l'iPhone parce que franchement j'ai plus de batterie. Qui va se lever, aller charger la batterie, attendre juste pour faire une outro? Non, juste pour l'intro, je suis désolée, je vous aime beaucoup les gars, mais pas à ce point-là. Donc je vous disais que peut-être dans le futur, je vous montrerai mes plats, mais de temps en temps, je vous montre un petit peu sur Instagram, donc venez me suivre. Donc qu'est-ce que j'ai pris du coup pour ce shopping-là? Pardon. J'ai pris le gilet, j'ai pris le jean, j'ai pris le mascara que je vous ai montré, j'ai trop hâte de le tester. Et qu'est-ce que j'ai pris? Et ben ouais, j'ai pris mes trucs là, comme ça là. J'en ai pris deux, donc un gris, un noir. Et c'est tout. Enfin, j'en ai pris 50 euros parce que j'ai racheté un câble d'iPhone. Et je devais aller chez Apple, mais j'ai eu la flemme, franchement. J'ai racheté un câble d'iPhone et j'ai racheté... Ah oui, le body à 10 euros, le body que j'avais montré, que j'ai trouvé trop beau et tout. Mais le truc, c'est que ça me va pas du tout parce que, vous voyez mes seins, et le truc, il s'arrêtait là. Vous savez, le modèle là, il était un peu comme ça. Du coup, bah faut que je le retourne, je suis dégoûtée.
En fait, je l'ai même pas essayé parce que je me suis dit, bah, c'est un body, c'est bon, ça va m'aller. Et en fait, non, ça m'allait pas parce que, en fait, c'est pas un problème de taille, hein, c'est quand je l'ai dit, c'est au niveau des seins. En fait, c'est juste la déco, c'est pas vraiment une armature qui tient tes seins, donc les seins, bah, ils continuaient jusqu'à ma peau là-bas. Donc voilà, mes amours, en tout cas, j'ai hâte de voir les rushs, j'ai pas encore regardé, je vais faire le montage tout de suite là. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez pu bien m'entendre. Et voilà, moi je fais des bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.